Les clochers, les graviers et les grandes allées tristes, l'équilibre exaspéré des volières. Mathieu Messager et Michel Bulteau s'accroupissaient, les yeux carrossés à l'abîme des nerfs. Les cyprès contre mes joues et le train d'une âme doucement baguée, les tapis où les sangs assèchent la respiration. Les rampes de cerveau entourent les plis. Mathieu Messager écrivant sur 5 fines aiguilles rouges, noires et vertes, dérive les cotons lucides des plaies. Moi, comptant à l'oméga du donjon agonie, aiguille, fil rouge, vert et gris. Le cri froid des hallebardes, vitrailles nues de veines, feu où Mathieu me toucha le coude, le crâne tremblait en notre sourire, nos yeux centre de tosse, la finesse emmitouflée de Dieu, trois plaines de tiroirs, les armoires d'automne, la naissance pliée de vases. Les paumes, inclination ombrelle, déjà les sarcophages, nuée, enfume l'image, le sol diapré d'obscur matin, les arbres, cours et prières, mains saintes. L'escalier béni à fléchir le gel, égorger les portées de sang, les marches écorchées,
les champs lassent, tuant les cils de supplice et les dômes tourmentés, quand je me penchais au texte, parmi les ombres, les pluies, les grandes vallées pour mourir, charnière, angélus, geste de dents, aussi foudre, habits noirs, solives, les manoirs bleus, les jeux, l'écho, et Mathieu retrouvant mes cachettes, l'étrangeté équestre de l'obscurité, sous hôtels étroits, comme s'il jouait du sang. Et ce dimanche où Mathieu m'offrit des tintements cachés, ses jouets, un chasseur colonial avec une cartouchière jaune et verte, une poupée sauvage, un pingouin, trois autocars, six voitures, une barque et une pelle avec le manche écrit « Mathieu, pour toi Michel, ces jouets de gestes, nous nous connaissons à 10 ans, ils te reviennent. » Du réel.
directement par satellite. Belle gueule, terrasse, le regard prodigieux, en répétition, derrière un foyer des cités. Il ne saisit plus le vieux charisme ordinaire de la chance. Quant à moi, ne se haussera jamais à hauteur enfantine du jouet cassé par quelques ruses plus que par plus dur que lui. Les diamants civilisés écrasent un lézard des sables et puis d'autres de leur patrouille aux consciences de néon vérifient qu'il n'en reste rien. Génération spontanée, je m'endors en multiple. Des vieillards, parsemés de philosophies, réunis autour d'un feu de camp qui saccageait les orties. Nul poète n'avait fait le déplacement, aucune poétesse ne s'y présentait en rang, d'autant que cette bande d'infirmes de satin n'avait jamais saisi qu'éternité, c'est au féminin. Solde de l'avant-mot.
un kangourou de transition se réjouit de l'achèvement d'une brume. Il s'installe confortablement à l'interstice des déserts et des étoiles. Et il dit, en flânant de Barcelone à la Roure, de la Roure à Barcelone, l'étonnante émulsion de la pensée sur les lieux oscille entre l'écume et la rosée. Et aussi, petit à petit, la belle mais sévère architecture de l'hiver, finement éduquée par les vides et les violets de sa tessiture, le cède à l'immémoriale résurgence de l'ancienne joie à la fois barbare et spirituel de retrouver la sève qui monte aux plantes comme au front. Et puis il finit sa bière et s'endort. Introduction au voyage à la planète. Pour placer rapidement les choses sur un terrain de la chronologie, Mathieu Messagier est né en 49 à La Roseraie, dans le département du Doubs. Sa vocation poétique naît dès l'enfance. En 71, âgé de 22 ans, il anime en tandem avec Michel Bulteau le désormais célèbre manifeste électrique aux paupières de jupe. D'éminentes personnalités du monde des lettres comme Dominique Deroux, Alain Jouffroy ou Paulo Tchaïkovski reconnaissent en Mathieu un poète de haute volée. En 90, paraît aux éditions Christian Bourgois au rang son œuvre maîtresse qu'il qualifie de grand poème en prose pluriel, à la fois chanson de gestes modernes et labyrinthe initiatique à l'attention d'un merle d'eau. Mathieu Messagier vécut sans métier, sans fonction, sans filet, en somme. La poésie fut pour lui l'unique manière d'être au monde. Elle tenait le sens même de sa vie. On ne comptera pas Mathieu Messagier parmi les poètes qui fabriquent de l'émotion par habileté, aucune emphase dans sa poésie, aucune pente non plus vers l'incantation ou l'explication. Et ce qui relève de la pose en général y est pulvérisé. Si un poème de Messagier n'a d'autre horizon que lui-même, il n'est pas pour autant l'expression d'une subjectivité close. Voyez plutôt en Mathieu Messagier l'adepte d'un full contact osmotique avec la réalité. Il s'arroge le droit de la transfigurer selon son bon plaisir, le temps qu'il fait, ou d'impératives nécessités intérieures. Certains poèmes de Mathieu Messagier sont des récitatifs, à mi-chemin entre le chant et la parole. D'autres sont comme de la graine de prose, d'autres encore forment des élégies
au lyrisme déguisé, teinté d'ironie sauvage comme un bloc de glace où brûle une flamme. Et il y a aussi de ces poèmes immédiats consignant des instantanés de sensations et d'états psychiques, la tension de pensée qu'ils contiennent, la ressaisie profonde du réel qu'ils délivrent, vous renvoie à 2000 ans de philosophie dans les cordes. Je dis parfois que la poésie de Mathieu est le tombeau de la théorie car elle ne s'inscrit dans aucune rigidité formelle et parce qu'elle se tient à l'écart de tous les cul-de-sac théoricistes. Si elle penche de temps en temps du côté de la mystique, jamais elle ne se laisse rattraper par la métaphysique ou le mystère. C'est une poésie qui n'a pas à être enchâssée ou sacralisée. On l'abordera plutôt comme un espace de liberté vraie, à vivre intensément ou dans une effervescence intérieure calme. Un jour, une dame vient voir Mathieu pour lui dire « Monsieur Messagier, je suis bien embêté, je suis navré de devoir vous dire que je ne comprends rien à vos poèmes. » Ce à quoi le poète avait répondu « Mais moi non plus, vous savez. » Il est vrai que l'instabilité sémantique de certains poèmes déroute et qu'on a l'impression parfois, ici ou là, que le sens tombe entre les lignes pour se relever deux étages plus bas. À l'évidence, la poésie de Mathieu ne se pose pas comme une tour de contrôle, un emblème ou un porte-drapeau cherchant à signifier à toute force quelque chose. Ce serait une erreur aussi de confondre l'instabilité sismique de certains de ses poèmes avec un travail de déconstruction de la langue. Ce que l'oreille attrape à l'écoute d'un poème de Messagier n'est pas une déperdition langagière, mais une matière verbale dont le voltage retranscrit les secousses de l'être. Le poème vibre comme un free jazz quand il fait se courber des lignes mélodiques angulaires pour leur faire prendre des virages en épingle à cheveux à des jonctions inattendues. Bien trop libre pour se placer sous de grandes figures tutélaires, la poésie de Mathieu Messagier se passe volontiers de galerie d'ancêtres, à moins d'y installer en bonne place la mobilette de Berlin. Une petite pluie fine d'automne, le rêve à venir d'un pavot bleu de l'Himalaya ou la joliesse d'une apprentie coiffeuse pérorant sur un parking. Non, la poésie somptuaire de Mathieu Messagier n'a pas nul besoin d'ancêtres pour être entendue. Sa façon d'engager la sensation et le regard, son ouverture à l'ineffable, joue dans ce moment même comme perspective d'avenir. Malek Abou, 27 avril 2022. Par Nicolas pour faire du trombone. Dick Turner, je l'avais su, avait connu Alissa Kottmer que j'avais rencontrée à Berlin en 95. Dick Turner habite je ne sais pas où à Paris. Il filme des gens qui vont et viennent dans les bouches du métro et on dirait du Tex Avery. Dick Turner, je viens de le voir juste avant de jouer. En arrivant, on faisait des blagues sur les masques. Il croyait que c'était une blague, en fait, c'en était pas. Après, on s'est dit que c'était pas une blague. Il s'est rendu compte que c'en était une. Je m'approche de son micro, il me dit ça, c'est un Electro Voice 1959. Je lui parle de la tante Olga qui était à Baltimore et envoyait des colis dans les années 80. Juste après la mort d'Yvan en 2021, je lui parle de tante Olga qui était mariée à Jacques Maroger qui copiait des tableaux, des faux tableaux du Louvre. On parle avec Ellie du mouvement Psychobilly, les Guanabas, les Météores dans les années 80 et ça saute mouton. Et on se rend compte avec Dick Turner qu'il habitait Baltimore comme tante Olga. Tante Olga était sœur de tante Simone, de Betty, de Blanche, de Yolande, de Nini, morte à 20 ans, et tous avaient pris le bateau au Havre pour se rendre aux États-Unis dans les années 20. Je retourne dans le Jura, et je vais voir une dame, et je lui parle des Trits. Et je lui dis, tu connais les Trits ? Elle dit, oui, les Trits, front dans la bouche, pas dans la main.
on dit ensemble que les Trix étaient avant les M&M's. M&M's dont s'est inspiré Eminem. Cette même femme me parle d'Anne Kropotkine, que je connais à Rennes depuis 5 ans. Elle me dit « J'ai fait des choses avec Anne Kropotkine. » Si je allais voir quelqu'un et que je lui racontais tout ça, il dirait « Oh, comme le monde est petit !» Et un autre connard arriverait, il dirait « Oh non, comme l'entre-soi est grand !» Et c'est ni l'un ni l'autre. Dick Turner à son micro de 1951, joue du trombone ce soir, Benjamin Collin a une machine récupérée. Il y a peu de temps, son blouson en cuir lit des poèmes de Mathieu Messagier comme un type né. Élie travaille la Franche-Côté. Ali Élie est allié de la Franche-Comté depuis plus de 50 ans. Il travaille la Franche-Comté en fonte et en comble, et il travaille la masse musculaire souterraine de la Franche-Comté avec un son psychobilly des années 80. Guanabats, Meteors, King Kurt, Frenzy, tout cela n'a de secret que pour lui. Vive l'Algérie! C'est me, we're just gonna start our show from the meteors. They're just kings of London. They don't fucking care about skinheads coming in the concert. They'd be just as we working free. They didn't make music for fucking anarchists from Paris. They were just wild inside. It's got to meteors. It's made by the sound from this guy. It's got early. He's coming from next to Audincourt, Franche-Comté. It's great. And the song is called Death Bench. Arthur, tu montes le micro dans la the sound of the jungle is beating in my head, but I know my mind ain't my own. Why am I still walking when I know I should be dead? Why won't it leave me alone? My feet move in rhythm to the death dance, but my heart stopped beating long ago. I wanted to leave, but I had no chance. My mind keeps spinning even so. But I'm still walking around. But something won't let me die in peace. There is no rest now. All the people are dancing around me. The witch doctor stands as he stares. His magical powers are upon me. The powers of the old ones entwined.
You wanted to leave, but you had no chance. There is no place you can hide. There is no place you can hide. There is no place you can hide. Won't you come and join in my defense? Power of the whole one, it's why. You wanted to leave, but you had no chance. There is no place you can hide. There ain't no place you can hide. There ain't no place you can hide. There is no place you can hide. I need no love, no theory. But when my love is coming all around, I need another little motherfucking sound. My love's bigger than a Cadillac. I try to show when it drives me back. For real, got to be real. Just how I feel. My love for you not fade away. Love for me not fade away. Love for me not fade away. But love for me not fade away. Give you love to me. Love to life just so one day. Love for real, not fade away.
prends juste la parole, pas longtemps, pour vous annoncer que un ami de Mathieu, Constant, qui fait partie de la génération invisible, de la nouvelle génération invisible, et qui sont en général les plus subtils, ceux qui arrivent à séparer l'épais du reste, va vous dire un poème qui s'appelle Le Bain-Jouan au Val Fertile. Et il a fait un acte généreux, il avait, avant le départ de Mathieu l'été dernier, ils avaient programmé la publication d'un livre de Mathieu qui n'était jamais paru. Pourtant Mathieu, Dieu sait s'il en a fait des bouquins, mais celui-là, il était passé entre les mailles du filet. Et c'est pas celui qui va vous lire, mais pendant que, pour vous remercier de votre présence ici, pendant que Constant, qui anime aussi la revue Arapèche, qui est vraiment une des plus belles revues de poésie, si ça vous intéresse, qu'il y a en ce moment. Pendant que Constant vous lit le poème de Bain-Jouan Val Fertile, il vous sera distribué un inédit de Mathieu, que vous serez les seuls à avoir, puisqu'il est inédit et qu'il est tiré à peu près au nombre d'exemplaires que vous êtes dans la salle. Voilà. Donc c'est un petit cadeau pour vous. On m'entend là? Je lis pas tout le poème. Je pense qu'il peut faire sans micro. Non. Ça dépend. C'est bon? Je me rattrape encore comme ça. Je lis pas tout le poème, il est un petit peu long. Merci. C'est gentil. Comme une introduction qui s'ennuie dans l'apparition simple là, bien devant elle, des prémices de la fin du voyage, je raconterai des choses merveilleuses, aussi vieilles que les océans, les mers et les voix du silence. Le diktat parfumé du calice, roi des vallées vermeilles, découvrait une expiration dépliée à la jalousie des planètes, comme lorsque la fonte des neiges laisse Mars chancelant au bord de ce qu'il avait cru être sa mort. Tandis, chance élevée, le col émane, et que solaire couchait ses cristaux au souvenir des huppes épaisses, l'intervalle, les jours parfois se glissent dans leur chagrin rétractile. L'enveloppe aux chevilles, celle du rite en dentelle de Sava Enko, portée à l'effervescence d'un fruit, gentil double vertical de la fraîcheur d'été. Voilà. Alors là, on va faire une annonce. Comme quand les enfants se perdent dans le métro, sur la plage ou dans un autobus. Ça arrive assez souvent. Je vais appeler des amis. Je sais qu'il y en a dans la salle, mais alors, des amis proches de Mathieu. Enfin, des amis proches. Il y avait beaucoup d'amis proches, Mathieu, parmi les libellules, les cailloux et tout ça. Mais Jean-Pierre. Voilà, ceux qui veulent bien venir, Jean-Pierre, André, Michel. Juste, on va faire une petite causerie de 5 minutes, mais vraiment pas plus. Enfin, s'ils viennent, hein, parce que c'est pas évident non plus. Donc, je vais me mettre là en attendant qu'ils arrivent, s'ils arrivent. Alors, est-ce que le petit André Magnien est dans la salle? Le petit André Magnien, avec son maillot de bain rouge, est appelé par ses parents au stand goutte d'eau et molécules. Voilà. On a retrouvé le petit André Magnien. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, je vais prendre Morimoto, là, si ça continue. Non, ok, pas Morimoto. Jean-Pierre. Ok, je crois qu'on va passer le coup des copains. Donc, c'est vrai que c'est dur d'avoir des copains quand on est mort. Excusez-moi, je ne veux pas enlever l'ambiance. Ok, donc les copains... Il n'y en a pas,
Si, ils sont là, mais justement, ils s'expriment pas, c'est ça qui est bien. Un peu comme Fantasio qui a pas pris sa contrebasse. Ok. Est-ce qu'il y a des amis de Mathieu qui sont dans la salle? On les demande au stand. Au stand Bigoudi. Voilà. Au stand Calippo. Hommage à au stand. Il y en a pas, c'est bien, donc je sais pas. Ok, c'est bien. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a, en fait, je sais ce que ça veut dire. La réponse, elle est simple. C'est qu'il y a un peu que des potes de Mathieu dans la salle. Voilà. Seul, mais en même temps, le plus proche possible, jusque dans la matière, dans la chair, dans le sang de la vie qui bat, quoi. De la vie dans tout, sous toutes ses formes, humaine, animale, végétale, minérale. Hein. On est le battement de ses propres vies, si tu veux. C'est-à-dire pas extrait. La poésie, c'est pas du tout le début, c'est ex machina, au contraire. C'est là, se cotiner avec le. Ce qui est là, quoi. C'est pas le laboratoire, la poésie. C'est la fin de l'expérience, finalement. Il y a marre de ça. Du savoir et non-savoir. C'est entre les deux. C'est qu'on sait tout, puis on sait rien du tout. C'est bien, et ça reste comme ça, comme on équilibre dans le temps. D'une saison à l'autre, la poésie change et elle reste la même. Alors comment expliquer ça? Quand je dis que je suis entré dans la pluie, c'est que j'y suis entré. Thank you.
Plusieurs enfants coulaient des cailloux dans l'eau exotique de leur insouciance, comme l'indiquent des barres, leur direction torride, demeureront à chacun son pluriel absolu, précoce et précaire. Le chef des pirates portait le bateau sur son dos de champ. Légèrement la brise et la mosquée dans le village. Le cadeau de Déméter lève les mains. Ma poésie est peut-être malade, mais je ne suis pas malade d'elle. Mes capsules de pavot incisent jusqu'à l'inouï novalis qu'on en a. Over poème. Les culottes mortes et de câbles où les joncs implosent la méprise du carreleur conçu à Florence et citoyen d'Engadine, mais la bodène si aussi m'a tricoté une couverture d'émerveillement moins juxtaposée que disséminée au travers d'un théâtre voyageur. S'est éloigné, tout a reculé si loin, si infiniment loin, que tout peut continuer à tourner, à avancer et à exploser sans rien détruire pour exister. Il y a de la place partout pour refaire le monde partout,
pour refaire 1 000 mondes, 1 300 000 mondes, une infinité de mondes, une place si grande que tout est devenu invisible. Comment restituer le tremblement artificiel et le frottement de la litanie sur les rideaux de la course des mondes, préparatif au ciel quotidien et ses accolades en rafale de partitions, explications déduites du jour en fruits, ô état de maturation pour l'imagerie aux 3 volumes. Comment restituer le tremblement artificiel et le frottement de la litanie sur les rideaux de la course des mondes, préparatif au ciel quotidien et ses accolades en rafale de partitions, explications déduites du jour en fruits, ô état de maturation pour l'imagerie aux 3 volumes. Nous sommes descendus sur la terre pour essayer de nous rapprocher de tout jusqu'à tout pouvoir toucher et rendre visible l'invisible. Nous étions perdus, sans attache, sans main, comme un œil ouvert ébloui par la nuit sans fin. Seuls, nous étions seuls, intouchables et intouchés, seuls et si loin que nous étions inaccessibles, séparés par un espace si grand que rien n'existe plus. Nous sommes descendus sur la terre pour tout retrouver. Pour retrouver tout ce qui s'était perdu dans l'univers et que la terre avait aspiré vers elle pour le conserver comme unique point de chute de tout ce qui n'avait jamais pu retrouver son chemin. La terre est un refuge où s'est retrouvé tout ce qui s'était égaré dans l'infini. Ne pouvant pas aller plus loin et ne trouvant pas d'endroit où vivre, ne sachant plus où il était, l'homme s'est dirigé vers la lumière la plus proche et sa peau s'est fendue à la taille du soleil qui lui était apparu dans le ciel pour du même coup le projeter sur la planète qu'il éclairait. Nous ne savons pas ce que l'infini recouvre. Nous ne savons pas ce qu'il nous cache. Nous ne savons toujours pas comprendre pourquoi et comment l'espace est sans fin. Pourquoi et comment l'espace est sans fin. Il y a un mystère. Il y a quelque chose d'unique que nous n'arrivons pas à saisir. Si mystérieux parce qu'insaisissable pour notre cerveau. Nous n'avons pas encore assez étendu notre pensée ni assez étiré notre vision. Si nos yeux sont à la dimension du soleil qui éclaire la terre, ils ne sont pas à la dimension du soleil qui brûle dans l'univers. Ils ne sont pas à la dimension réelle du soleil. Ils sont à une dimension irréelle comme ce qu'ils voient et nous montrent. Car rien n'a sa taille initiale sous nos yeux. Si rien n'est à sa propre taille, c'est parce que le soleil ne l'est pas davantage que notre propre corps que nous ne voyons pas et dont nous ne voyons pas la fin. Si le soleil était à sa propre taille, nous aurions pris feu. Ventre de terre compris dans la balance, rien d'autre que l'esprit, s'ouvrant à l'esprit plusieurs, relatant sa honte par les ports de vivre, puis abordant les proximités fertiles, tandis que le soleil suit ses âges. Ventre de terre compris dans la balance, rien d'autre que l'esprit, s'ouvrant à l'esprit plusieurs, relatant sa honte par les ports de vivre, puis abordant les proximités fertiles, tandis que le soleil fit ses âges. Nous ne sommes pas faits pour vivre ailleurs qu'ici. Nous,
ne sommes pas faits pour vivre ailleurs qu'ici. Nos yeux ne supporteraient pas de changer de planète et de soleil. Nous ne pouvons pas vivre dans l'univers où le soleil est si gros qu'il nous brûlerait. Nous pouvons vivre seulement loin de lui, loin de tout, si loin jusqu'à ce que le soleil, 1 300 000 fois plus gros que la Terre, ne la brûle plus, mais la chauffe et l'éclaire pour faire apparaître la vie. Parce que dans un infini, il n'y aurait jamais rien qui se répète une seule fois. Il y aurait une infinité de planètes éclairées par une infinité de soleils. Chacune a une distance différente de son soleil. Les planètes que le soleil brûle ou chauffe à tous les degrés. Les soleils plus ou moins lointains qui les éclairent plus ou moins fort, mais jamais à la même distance qui sépare le soleil de la Terre, même si le moindre millimètre les différencie et les sépare. 1 millimètre étant comme des milliards de kilomètres, l'infime et l'infini se rejoignant. Des soleils toujours à la même distance, mais à quelques millimètres près, même à 1 300 000 millième de millimètre de différence, car si l'infime est infini, l'infini est infime, car dans un infini, rien n'a de fin ni de début, et tout peut se multiplier indéfiniment. Si tout est très loin, c'est parce que tout explose sans cesse, et que sur les espaces immenses qui séparent tout de tout, tout disparaîtrait instantanément. Nous ne pouvons pas nous approcher, nous ne pouvons pas nous approcher pour vivre, tout est loin, nous nous sommes séparés pour mourir. C'est quand le soleil a disparu de l'autre côté de la Terre que tout retrouve ses vraies dimensions. Comme si la nuit avait remplacé le feu du soleil dans l'univers. La présence du soleil dans le ciel bouleverse le monde. La présence du soleil dans le ciel bouleverse le monde. Le monde n'est plus ce qu'il est réellement. Le monde n'est plus ce qu'il est réellement. Au lieu de brûler, et pour ne pas brûler, le monde s'est éloigné. Il s'est tant éloigné que pour tout retrouver, il a disparu dans l'obscurité. Enfui en voie quittée, par des sources qu'aucune force ne peut contrôler, par des sources qui ne concernent pas les oripeaux, pas devenus sans rien savoir, sans rien attendre. Enfui en voie quittée, par des sources qu'aucune force ne peut contrôler, par des sources qui ne concernent pas les oripeaux, pas devenus sans rien savoir, sans rien attendre. Je n'avais jamais vu la boucade avant. Mais c'était la première fois.
Thank you.
Victor et Grose et Esther de la Verna se rencontrèrent à Las Vegas le 12 avril 1972 et se marièrent le jour même par un temps doux et pluvieux en fin de matinée. La ville était presque déserte. Ils échangèrent des alliances de rosées imprécises puisées au fond des terres, d'une mer de ciel moderne. Depuis, les Indiens l'affirment, la légende court toujours. Hostal Ayestarian Lecumberi. Une idée, un voyage absolu, une épopée de l'esprit aux insuffisances du corps. Un livre de toutes les allégresses, un livre de toutes les mélancolies, sans qu'il ne prenne le pas sur l'odeur d'un matin aux prémices du dégel, à l'heure où la vie retient le souffle du ciel et mime un solstice. Cinq mondes rivalisaient d'allégories. Le ressac des pacotilles, penché aux souvenirs enfuis des soirées, et paré du vernis des vraies joutes, conduisait le bateau unifié par des horizons parfumés et élevés au cuir d'or d'une mélodie. Chronique d'un voyage au centre de la rosée. Déployant ses rivages comme un arc-en-ciel aux couleurs inconnues, on pourra y devenir les rêveries du grillon ou le solde indicible conversation de l'air.